j'étais longtemps à Kaboul, en Afghanistan. En rentrant de là-bas, j'avais un restaurant à Kaboul. Enfin, j'étais journaliste puis restaurateur. Et en rentrant de là-bas, j'en ai fait une série télé pour Canal+, Kaboul Kitchen. Mais j'étais un peu frustré. C'est une série que j'aime bien et qui marche très très bien. Mais j'étais frustré parce qu'on l'a écrite à plusieurs, avec des co-auteurs, il y a des producteurs, il y a beaucoup de gens qui se sont emmêlés. Et moi, j'avais un peu une frustration d'écrire quelque chose de plus personnel, raconter un peu mon histoire, mais romancer en mettant des choses plus personnelles. Donc j'ai écrit ce roman qui se passe notamment en Afghanistan, mais aussi au Cambodge, où j'ai vécu longtemps. Et en France aussi, c'est un peu sur le thème de partir à l'étranger, pourquoi et comment on revient, enfin, toutes ces choses-là, mais de manière romanesque. J'ai vraiment voulu raconter l'histoire, donc une histoire d'amitié entre deux amis d'enfance qui vont se suivre dans plusieurs pays à plusieurs époques. Donc j'ai vraiment traité de cette amitié, et, qui n'est pas un prétexte, c'est une vraie histoire d'amitié sur les années, dans différents pays, etc. Et j'en profite pour parler aussi de choses vues sur le terrain, parce que j'aime bien parler de choses que je connais bien. Et comme j'ai passé 6 ans à Kaboul et 5 ans au Cambodge, je parle beaucoup de ces pays-là. Ouais. Ça se passe, comme je disais, c'est un roman d'amitié, donc ça commence à Kaboul aujourd'hui, mais le narrateur qui est restaurateur à Kaboul apprend que son ami d'enfance, qui s'appelle Corto, a disparu. Corto qui est reporter de guerre. Donc il le cherche pas tellement, on ne sait pas pourquoi en fait, enfin on va le savoir petit à petit. Il y a pas mal de casseroles entre eux et qu'on va découvrir petit à petit. Et on remonte par retour en arrière, donc dans leur histoire d'amitié. Donc ça commence par leur rencontre quand ils étaient enfants, dans un lycée à Toulouse, lycée Bellevue, pour ceux qui connaissent Toulouse. Et comme ça, il va y avoir plusieurs retours en arrière successifs, chronologiques. Donc quand ils sont enfants, adolescents, dans les Pyrénées, jeunes, et puis au Cambodge. Voilà, on va suivre leur histoire parallèlement et qui se croisent assez régulièrement, à plusieurs époques, avant que ça dégénère, je ne dis pas pourquoi, voilà. Il y a une femme entre eux aussi, mais qui n'est pas forcément le problème. Corto qui a disparu à une amie qui travaille dans l'humanitaire. Le roman parle aussi de ses vies à l'étranger, dans l'humanitaire, dans la diplomatie, dans l'espionnage. Il parle de toutes ses vies un peu aventureuses dans des pays comme l'Afghanistan ou le Cambodge.